Salut les amis. Bon, on a sorti les grands moyens. Ouais. Sur un parking. Oh mais qui c'est donc là-bas? On dirait bien Django Nomade. Bah ouais, c'est le Django Nomade. Bon, on a le soleil aujourd'hui les amis. Snow qui fait le beau et moi je suis en pleine méco. Voilà. On a sorti les outils, hein. On fait la mécanique, on s'occupe parce que bon, attendez, le vieux il se baisse parce que je me suis aperçu que dans le trajet, je vais vous montrer un peu la bête. Donc je me suis aperçu dans le trajet, il y a mon doigt. Donc je suis en train de démonter. Je disais donc dans le trajet, je me suis aperçu que mon embrayage, j'avais besoin de retendre. Alors on va le retendre. Donc voilà la fourchette. Ça, on appelle ça une fourchette. Ça, la fourchette d'embrayage, après il y a la butée et à l'intérieur il y a le système d'embrayage. Donc on va retendre par là. Il y a un tendeur ici, faut pas trop en faire. Hein. Voilà. Donc je vais dévisser cet écrou là de clé 17, puis par l'autre côté je vais le retendre légèrement. Bon, dans ce sens que ça bouge, c'est normal les amis. Hein. C'est dans ce sens que ça fonctionne, faut appuyer. J'ai vu que les accrocher légèrement les vitesses. Elles accrochaient légèrement et donc il faut retendre un petit peu vu que j'ai fait l'embrayage neuf. Donc il a dû se détendre un peu, voilà, prendre sa place comme il faut, et là ben, un petit coup de tendage et le tour est joué quoi. Puis je me suis aperçu aussi, ben, je vous montrerai les amis. Bon allez, j'ai besoin de mes deux mains. Asno qui se fait bronzer. Tiens, les pompiers. Ils doivent croire que je suis blessé sous mon camion. Bon, allez les amis, je vous laisse. Je vais vous montrer alors ce que j'ai vu aussi. Je vais donner un petit coup de blocage. Si je tourne le téléphone, attendez, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça filme dans le bon sens? Ça, c'est encore une autre histoire. T'es arrivé. Attendez. Je sais pas si ça fume à l'endroit. Vous voyez là. Vers mon doigt là. Je sais pas si on voit quelque chose. Ah. J'arrive pas à mettre le téléphone comme il faut pour pas qu'il se retourne. Vous voyez là. Regardez, une trace d'huile, là, un suintement. Donc je vais essayer de redonner un petit coup de blocage là, c'est une clé de 10. J'aime pas voir ça, ça me plaît pas bien. Allez, je suis coincé dessous. Oh. Bon, salut les amis, changement de spot. Regardez-moi cette beauté. Avec un petit coucher de soleil. Le collègue qui tire sa chambre. Hein? Regardez les amis. Django Nomade. Bud. Et Bud. Ah, Bud, il veut sa caresse. Il veut sa caresse, Bud. Et puis ben voilà. Hein. Kiki le Nomade. Voilà. Voilà comment on est posté. On a une grande cour de. Allez, je dirais combien? Pas loin de 10 hectares. 10 hectares. Donné avec bon cœur, enfin prêté avec bon cœur pour quelques jours. Je suis refait. Tout le monde est refait. Là. Grâce à. Au collègue là. La mère. Je me rappelle pas de son prénom, mais bon. Aldo. Aldo. Grâce à Aldo. Voilà, les amis. Voilà, Aldo. Avec sa tente de toit. Fixé sur l'Opel,
Allez, on sort la table. Django sur la chaise. C'est l'apéro. Tout le monde est refait. Et oui, vous voyez les amis, il nous en faut pas beaucoup. Un terrain vaste. Et tout le monde est content. Franchement. Franchement. Que demande le peuple? Les chiens sont heureux. Les maîtres sont heureux. Avec un merveilleux coucher de soleil, les amis, profitez-en. Et moi, je vous dis, bon apéro! Ouais, on va pas oublier Snow et Snowborn. Regardez Snow. Oh, je viens juste de me garer. Hein. Coucou! Je vais le sortir. Regardez, les amis. Non, mais franchement, les amis, c'est ce que je dis, hein. Il nous en faut pas beaucoup. Donc là-bas, il y a un camping-car, mais bon, c'est pas si il vit à l'année. Hein. Mais le terrain, il est tout clos comme ça, regardez. Ah, je me répète. Hein. On est sur un terrain fermé, vaste. Le terrain, est, voilà, franchement. Il y a 2,50 m minimum. Tout clos. Moi, je dirais, il y a... Je sais à peu près visuellement, hein. Mais je dirais il y a 10 hectares les amis, 10 hectares, c'est vaste et on a eu l'autorisation de passer quelques jours ici. Thibaut il est refait, ce qui est normal, hein. De toute façon vous connaissez Thibaut, vous me connaissez, simplicité, voilà, nature, bon on va pas dire qu'on est au cœur de la forêt, hein. Nous 10 hectares comme ça, Thibaut il a un putain de sourire, je suis content pour lui, hein, franchement. Donc comme vous avez pu voir dans sa vidéo, hein, je sais pas si elle va être publiée en même temps, je le dis, hein. Ouais, Iveco, coup de première, ça monte après les murs, je pourrais tirer, je suis sûr, moi je tire 4 camtars derrière moi, un coup de première, les 4 camions y suivent, hein. Voilà les amis, on est refait, il nous en faut pas beaucoup. Ouais, en 5 minutes, putain, le sourire qui revient. Oh là là là, avec un putain de coucher de soleil, là. On le voit pas trop sur le téléphone, mais je vous garantis, putain de coucher de soleil. Voilà, les amis. Bon, ben, on va faire un petit apéro entre poteaux, comme on dit. Et puis voilà. Bon, voilà, les amis. Ça y est, je reprends la route. J'ai fait chauffer le camtar. C'est prêt. Et on dit au revoir aux collègues Thibaut et petit coucou. Maman Kiki. Voilà. Donc je vais remonter tout doucement pour mon putain de rendez-vous en parlant poliment du 19. C'est comme ça. Bon allez les amis. Je m'arrêterai sur le passage, dans l'allée là. Dans le retour du moins. Faire un monter en montagne. Hein, Oscar, la grosse baleine. Et Bud, il va vraiment bien mieux. Hein. Il monte dans le camion tout seul maintenant. C'est malheureux. La grosse baleine. Oscar. Allez les amis. Et voilà les amis. Le spot de serre. Je suis pas bien là, franchement. Ça change du parking. Hein. Ah, Thibaut, il verrait ça. Enfin, il va le voir. Hein. Ça claque sa mère. Bon, j'espère pas être délogé, mais bon, j'ai fait. Regardez le chemin là. Je suis venu par là. J'ai fait 1 km à travers le chemin. Bon, j'espère que j'ai pas trop rayé comme tard. Ça frottait de partout. Mais regardez. Si on n'était pas bien au cœur de la montagne, de la forêt, de végétation. Donc là, je vais pouvoir lâcher Snow. Hein, Snow qui attend, là, je viens d'arriver. Et puis, on a le soleil, comme vous voyez. Hein, putain, ça fait du bien. Hein. Et puis là, ben, je vais faire une bonne rando. Là, il y a plein de chemins de partout. Donc, on va visiter tout ça. Ça va faire du bien, les amis. Ça va faire du bien. Je suis trop content. En espérant ne pas être délogé, quoi. Ouais, je vais passer une nuit. Ouais, une nuit. Je remonte tout doucement en fait.
Et je sais pas si je suis remonté, il me semble que là, je suis plutôt descendu un peu plus dans le sud. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà les amis. Bon allez, je vais sortir le chien. Hein. Je vais donner à boire. Puis c'est l'heure de l'apéro les amis. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Il y en a un qui s'impatiente, qui veut sortir. Regardez, regardez. Il est peut-être posé sur le... Coucou. Aïe. Trop content, trop posé. Tranquillité, pas un bruit. Bon, il y a de la rando. Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche, il y a 2,3 km. Et grotte de Saint-Marcel d'Ardèche aussi, 1,7 km. Sentier botanique 700. Et bidon. Voilà. Oh, il y a de la rando. Hein. Plus il y a le soleil, putain, comme on est bien. Oh, mais moi j'adore, c'est... J'adore. En fait, c'est tellement géant que tu pourrais te poster. Plusieurs endroits. J'ai bien envie de faire le petit sentier. J'adore ces petits sentiers comme ça. Ouais, il y a de quoi faire, les amis. Bon, j'adore marcher dans les forêts comme ça. Là. J'ose pas lâcher. Je bégaye. J'ose pas lâcher sinon. Les forêts comme ça. Là. Il y a du gibier. J'ai peur qu'ils partent après. Quoi. Le truc, c'est qu'il tire, j'ai pas de longe, j'ai que ma petite chaîne de 1 mètre là. On voit mon ongle, désolé les amis. Et putain, il tire, il m'arrache les bois. Alors, quand c'est le moment de filmer, c'est un peu le bordel. Non, j'adore cette végétation. Oh, mais ça va faire comme hier, c'est hier ou avant-hier. Avec Thibaut, on a pris mais un coup de chaud, on avait chaud, on aurait dit ça y est qu'il était revenu, on s'était mis en t-shirt, hein. T-shirt torse nu hein, même. Bon allez les amis, ça fait pas de la belle vidéo avec le avec l'ombre. Je vous dis à tout à l'heure. Ah moi je profite un max. Quelle détente, écoutez-moi ce silence. On écoute les mouches voler. Ah, même pour moi, je fais pas des feux là. Là, des broussailles comme ça là. Regardez comme c'est sec. Ça pourrait. Non, non. Pas de risque. Aïe aïe aïe, ça fait du bien. Et je vais voir plus loin, peut-être qu'on va voir de la montagne, les amis. Allez les amis, profitez un max toujours. Regardez les amis. Je suis rempli de thym. Il y a du thym de partout. Et il sent bon, hein. Ça bon c'est séché, et ça c'est du frais, regardez. Hop, oh, une tuerie, franchement. Thibaut, il verrait ça, on cherchait du thym pour faire la côte de bœuf. Il y en a de partout. Et regardez, hein. J'ai vu ça au cul du camion. Hein. Non, des grosses souches, je vais en récupérer une. Regardez celle-là. Comme ça sent bon. Putain les amis, sérieux, hein. Là, ça change de spot et je suis refait. Je suis refait. Il y a des miettes de chien. J'ose pas lâcher Snow. Et... Qu'est-ce que tu fais Snow? Je l'ai attaché et j'ai peur qu'il se barre. Bon allez, je vais aller faire une balade là. Ça lui fera du bien. Bah du coup, la longe, bah, je vais prendre la chaîne, ça fera une longe. Hein. Puis voilà. Allez, on va aller se promener, on va aller voir ce qui se passe plus loin. J'adore moi de visiter. Allez les amis, putain, ce soleil de marteau, je suis trop heureux. Oh, oh. Allez, on a pris la rando, on s'enfile dans le cœur de la végétation. Ah, il est content Snow. Hein Snow? Bonjour. On suit un petit sentier là, puis j'ai vu, il y a des balises. Des petites balises à des endroits. On verra où ça mène. Hein. Je suis parti à l'aveuglette. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut changer, les amis? Ça fait du bien. Toujours le soleil? Ah bah regardez, les petites balises sont là. Toujours le soleil.
Tac. Bon allez, on continue. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un point de vue. En tout cas, Snow, il est content. C'est joli, là. Hein. Une espèce de brume, là, dans les montagnes. C'est super joli. On continue toujours. On a toujours le soleil. Snow, il est content. Je sais pas où ça mène, hein. On verra bien. Hein. J'ai pris vraiment l'aveuglette. Hein. Je le lâche pas, ouais. Là, je l'attache. J'ai pris la laisse, la longe. La chaîne, quoi. J'ai pas sa longe. Putain. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est super joli. Je sais pas si ça rend pareil sur la vidéo, là. Il y a une espèce de relief. Ça fait des reliefs avec les montagnes. C'est super beau. Putain, mais vraiment magnifique. Être perdu comme ça, là, à travers des chemins... Vraiment bien, quoi. Je suis refait, pas de bruit. Tranquillité assurée. Là. Allez, les amis, je continue toujours. Bon, on a pris notre chemin. Et là, on est sur, ça s'appelle, là où il y a Snow, ça s'appelle du Lapias. C'est du Lapias, parce qu'ils ont mis un prénom, là. Donc, je vous laisse lire, hein. Voilà, donc du Lapias, première croûte, il y a des galeries, stalagmites, rivières souterraines, voilà. C'est un relief sous-sol karstique, ça s'appelle. Du coup, on va s'enfiler là-bas, puis j'écoute des personnes là qui doivent monter, ils sont un peu perdus apparemment. Mais vous avez vu cette végétation, c'est un truc de marteau cette végétation. Et là, bah, je sais pas ce que c'est, ou une espèce de village ou une ville là-bas. Je sais pas, avec une route là. Avec un petit van d'ailleurs qui monte sur la route. Bon bah allez, hein, on continue toujours. Non, hop, Lapias. Voilà les petites balises. Hop, et là vous vous agrafez le parchemin là. 34, tiens, ça me fait penser à l'héros. Bon, ben on continue toujours. Hein. Toujours le beau temps. Impeccable. Ça va durer, j'espère. Hein, Snow? Snow? Tiens, montre aux abonnés, je sais pas ce qu'il a pris sur la langue. Snow? Là, il va pas se laisser faire. Viens là? Viens, bouge pas. Là, vu qu'il a la langue qui tire, hein. Foire ta langue. Regardez, il a deux points blancs. Vous voyez? Je sais pas ce que c'est. C'est des aftes ou quoi? Il a pris ici deux points blancs, ouais. Alors, je vois pas au fond de la gorge s'il y en a d'autres. Mais sur le bout de la langue, ouais. Tu vois, Snow? Snow, ouvre la bouche. Parce qu'au départ, je croyais que c'était de la bave, mais du coup, non. C'est deux points blancs, deux boutons, regardez bien. Alors, je vais aller voir le veto. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein, mon gros? Je sais pas ce que c'est. Fais voir. Il se laisse pas faire. Ouais. Bon. Eh ben, faut un petit coup de veto hein, si ça passe pas. Hein, hein mon chien? Allez, nous, on continue. Qu'est-ce qu'on est bien? Voilà pourquoi je vais pas lâcher ce nom. Regardez. De là. Tout ça, c'est tout raviné par des cochons, des sangliers. Ils ont fougé. Donc, non, non, prends pas de risque. Qu'est-ce que je suis bien, franchement. Je me répète, les amis. Personne. J'espère que... Mon ombre, on va essayer de l'enlever. J'espère être pas délogé, quoi. Parce que c'est pénible, ça, en fait. Hein, Snow? Allez, nous, on continue. Sanglier! Regardez sur quoi je tombe, les amis. Un vieillard géant. Regardez par rapport à Snow.
Il est énorme. Pour tuer, c'est pour faire les cochons, c'est pas possible. Il est énorme. Dommage que je peux pas mener le camtar ici. C'est que des petits, voilà, des petits chemins de sentier, quoi. Ah, sinon je posais le camtar là. Je donne mon pied. Oh, il est énorme. Soleil de marteau, regardez. Je vais me mettre à poil. Écoutez. Chut. Il n'y a pas un bruit, les amis. Trop cool. Et là, je tombe sur une belle vue. C'est super joli. Il y a de ces montagnes. J'ai zoomé légèrement parce que trop près, c'est pas beau. Mais c'est joli, hein. C'est vachement dégagé. Il fait super beau. Donc, sinon, je sais pas ce qu'il a senti, mais il y a quelque chose par là qui sent. Il veut traquer. Hein. Non, mais. Ce soleil de marteau, putain, mais c'est trop beau. Je sais pas ce que c'est que cette montagne. Putain, elle est énorme. C'est pas le pic le plus haut, là. Ah, je me rappelle plus. Elle est énorme, cette montagne. C'est que, vous avez vu, c'est que de la forêt. Que de la forêt, végétation, là où je suis. Il n'y a pas un bruit. Hein. Putain, Thibaut, il serait là, mais il serait refait, hein. Ouais, je vous souhaite de tout cœur et espoir que son camtar il redémarre. Parce que franchement, là, il en a un peu gros sur la patate. Et puis c'est vrai, un spot, comme vous avez pu voir sur un parking, c'est pas jojo. Hein. Il y a les trains, même les chiens, tout ça, c'est pas top. Enfin bon, la roue va tourner pour lui. Hein. Ah, je suis refait, hein, les amis. Hein. Je vais continuer. Puis après, on va se rentrer au camtar. Et là-bas, ça me dit quelque chose. Ici, la carrière vers Donzère, il me semble. Bizarre le téléphone. Il fait bizarre. Regardez ce nous. Il a fait sa cabane. Il a fait sa niche. Regardez comme il est bien. Il s'est mis dans la brousse. Il est bien, il est heureux. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je suis trop bien. Ouais, j'ai tout ouvert pour aérer un peu le lit. Pour, voilà, je suis obligé de lever là, à chaque fois le matelas pour... ça fait de la condensation sur ce bois-là, comme il n'y a pas d'aération. Du coup, c'est tout fermé et avec la chaleur de mon corps, ça... C'est tout mouillé, quoi, à cet endroit là-bas. Il va falloir que je trouve une solution où je démonte tout, j'en sais rien. Mais c'est le bordel, ça. Ouais, ça peut faire pourrir le matelas après. Ah bon, allez, les amis, je vais préparer un morceau de vidéo parce que j'ai rien. Voilà, j'ai failli dire un gros mot. J'ai rien préparé. Et on est vendredi. Et la vidéo, je la sors dimanche, comme d'habitude, dimanche matin. Donc, je verrai. Non, mais j'ai pas trop de raisons en plus là où je suis. Donc, je vais voir. Allez, les amis. Je sais pas où est la vidéo, je regarde. Il s'est mis là derrière. Bon, les amis, profitez un max. Hein. Je voudrais faire des vidéos moins de 30 minutes maintenant. Donc voilà. Donc abonnez-vous si c'est toujours pas fait, les amis. Un petit commentaire gentil qui fait toujours plaisir à répondre. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Comme ça, ça soutient la chaîne et puis ça donne envie de faire de nouvelles aventures. Regardez-moi ce ciel bleu. Trop beau. Bleu, trop beau. Bon, bah sinon, hein. J'aime pas l'eau attachée, mais j'ai trop peur d'une. J'ai trop peur d'une qui fugue là, dans ces broussailles de partout. Oui, mon Titi, ouais, je sais, mais bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, pff, il n'y avait pas de toute Marseille.
Donc voilà les amis, moi je vous dis à une prochaine vidéo, hein. Donc j'espère vous montrer si, de toute façon je suis toujours dans la Drôme Ardèche là, donc au retour là je remonte tout doucement, donc je trouve des spots un peu comme celui-là, hein, pleine nature, et puis je vous montre de nouvelles images comme on dit. Allez, profitez un max, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez surtout, et tout ça, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous, et profitez un max.